moi c'était Raphaël, alors je suis batteur. Moi c'est Edouard, voilà, je fais de la guitare là-dedans, je fais ce qu'on me dit. Et moi du coup c'est David, du coup je fais de la guitare, de la voix. L'Infrared, c'était un endroit qui faisait des concerts donc rock pour toute la scène rock et le mec était très très mal monétairement. Non, il est arrivé dans un bon créneau, à Orléans il n'y avait rien, et il est arrivé dans un bon créneau, mais ouais, il a chopé la mauvaise salle. Quand nous on a joué, c'est que le mec monétairement il était vraiment down. Et du coup on nous a demandé de faire un concert de soutien pour que le gars rentre un petit peu de fraîche dans son bar, parce qu'il faisait des concerts et il allait fermer à cause des sous. Voilà. Par contre l'arrivée de l'Infrared, c'était cool, parce que ce qui manque sur Orléans, c'est ça, quoi. C'est des bars comme ça. C'est un bar avec un truc vraiment pour taper du concert, avec la structure vraiment faite pour ça, parce que jouer dans un bar, c'est une chose. Hein, là, c'était vrai, c'était rempli de petites salles que bar. La petite salle de concert en dessous. Ouais, ouais. Donc ça, c'est vrai que ça, c'était vraiment très cool. Et sur Orléans, si, y a les bars ou l'Astrolabe. Mmh. Et c'est vrai que l'Infrared, c'était un bon intermédiaire qui pouvait permettre de faire venir des groupes quand même assez intéressants qui pouvaient attirer du monde avec la structure qu'il fallait pour pouvoir les recevoir sans forcément faire 600 entrées là-dedans. Mais t'es quand même content quand t'as 150 Pékins qui arrivent dans un bar pour un concert pour des petits groupes comme nous. On est content quand la salle est blindée et tout ça reste quand même super cool. On devait y jouer au tout début de l'Infrared, on devait y jouer avec Necrophist, on devait y jouer avec Blockheads, ça te rappelle? Toi, donc Blockheads, ils pouvaient venir à l'Infrared et c'est juste qu'en fait, ouais, niveau thune, ça marchait pas. La phrase à ce moment-là, mais... En fait, il y a des problèmes d'ouverture pour les issues de secours. Il est complètement bloqué là-dessus. Non, mais font chier, c'est... comme d'habitude. Le mec, il va nous faire tout le plan technique du bâtiment, il y a le bar, on s'en fout. C'est ça. Le bâtiment, il t'a créé en 684. On chie dedans. Et mon grand-père avait fait la coiffure à l'époque. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça aussi la différence avec les bars qu'on peut jouer d'habitude sur Orléans, et même un peu ailleurs quand même. C'est que là, au moins, il y a des retours, il y a du son, il y a de la place pour le son. Et c'est quand même agréable de s'entendre s'y jouer. Le bar, il était cool. Les patrons étaient sympas, le lieu était sympa, l'emplacement était cool. Oh non, voilà. C'était vraiment une bonne salle, celle-là. On regrette un peu ce truc-là. Hein. Ouais, oui, okay. Quand même dommage. Ouais, c'est vrai que ça fait un grand vide, quoi. Moi, je sais que j'étais vraiment déprimé, moi, quand ça a fermé. Ouais, mais pareil, nous, je me rappelle, il y a une pétition qui avait tourné et tout. Je l'ai pas signé, pas que ça a foutre, mais... Ouais, mais en plus, tu sais pas écrire. Oui. Non, mais, oui. Mais là, il y a une autre salle qui s'ouvre, je fais une petite parenthèse, une petite salle qui s'ouvre juste là, à 20 mètres. D'accord. 20 mètres d'ici, sort à gauche, juste là. Et bah, c'est le même délire que l'Infrared. Ils remontent à une scène. Avec les autorisations, les... Avec les autorisations, tout est bien. Et là ça va ouvrir. La salle va être vraiment cool. Ça s'appelle comment? Ça s'appelait La Ruche. Ah oui, bah oui, je connais. Ouais, je savais pas où ils étaient positionnés. Et bien, bah, juste là, ils sont à 20 mètres de chez moi. Yeah.